Tombouctou reprend vie alors que l'armée française poursuit son opération de reconquête avec des frappes aériennes intenses contre des positions de groupes armés. C'est autour de Kidal que seraient détenus les 7 otages français au Sahel, selon Paris. Un haut responsable du mouvement islamiste en Sardine aurait été arrêté hier. Ça va servir de leçon aux terroristes. Comme je viens de vous le dire, je vous ai dit que ce n'est pas vraiment des islamistes, ce sont des terroristes. Dans Tombouctou, la vie reprend peu à peu son rôle après des mois de privation en tout genre. C'est eux qui amènent les cigarettes. Mais c'est eux aussi qui vendent la cigarette. Et comment fait-il que vous, tu sais que la cigarette n'est pas bonne, tu l'amènes ça ici, tu vends ça aux gens. Le vice-président américain Joe Biden, qui sera reçu ce lundi à Paris par François Hollande, a redit le soutien de son pays à l'opération militaire menée au Mali. Le président français s'était rendu sur place samedi, un acte symbolique.